Remettons ceci entre tes mains. Nous prions, Père, que ce soit un point de contact pour l'œuvre de ton esprit. Nous prions au nom puissant de Jésus que ce soit un point de contact pour que ta grâce atteigne les familles. Lève ta voix et prie que ce soit sanctifié, que ce soit un point de contact pour l'œuvre du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. You are the living God, oh. C'est par rapport à notre père, notre grand-père qui arrive, Papa Koussi Boatien, qui arrive au Cameroun d'ici demain à partir de 22h. Et nous sommes là, nous sortons pour la caravane mobile pour mobiliser toute la ville de Yaoundé et même laquelle la gloire de Dieu touche le monde entier, le Cameroun en particulier, parce que ce pays souffre énormément. Et si un géant de cette rue, un prophète d'une dimension extérieure arrive dans ce pays, c'est parce que Dieu veut que le pays change au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous sortons mobilisés, parce que les âmes vont revenir, les œuvres du diable sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien vu aujourd'hui, c'est la sortie pour cette grande caravane d'évangélisation. Nous sommes ici au carrefour Diemassi et c'est notre premier escale. Vous-même, vous voyez, tout le monde est en train d'aller vers l'air pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir inviter de nombreuses personnes à venir à ce grand événement qu'organisent les prophètes Rodrigue et Elisabeth Defoe. Mesdames et messieurs, suivez mon regard tout à l'heure. Nous sommes grandement, nous sommes en pleine évangélisation pour l'arrivée de notre le papa, le papa des grands prophètes.
À partir de jeudi, il sera là parmi nous. Nous allons le chercher d'abord à l'aéroport. Et puis, nous croyons, le 21, le 22, le 23, oh, le 24, c'est la finale. Nous commençons par les sports. Le 21 là, nous vous attendons. L'occasion de l'arrivée de Papa Poussi, nous appelons tout le Cameroun à Jésus-Christ. Parce que c'est un grand changement pour le Cameroun, une nouvelle page qui s'ouvre pour le Cameroun. Donc tous les Camerounais sont interprétés à venir recevoir la grâce qui vient d'un grand don de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Yéhouda à Christ, à cette occasion, venez à Jésus-Christ. Cameroun, Jésus-Christ est vivant. J'invite tous les Camerounais, tous Yaoundé. Si tu as même des gens à l'étranger, c'est l'heure du Cameroun. Parce que le prophète majeur, Papa Koussi Ouattara, est là. Et nous sommes en train de faire la caravane de mobilisation. See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. Fasted, you have prayed, but it seems the more you pray and the more your problems multiply for you, and you don't know what to do. Ouais, vous êtes bénis au nom de Jésus. À l'occasion de l'arrivée de notre grand-père Papa Poussi Boateng, c'est pour la deuxième fois que nous bénéficions, que nous avons ce privilège d'avoir cette visite-là. C'est pourquoi nous sommes contents. Soyez bénis. Nous sommes à l'évangélisation. On est extrêmement excités. Yaoundé va voir la main de Jésus-Christ comme jamais auparavant au nom de Jésus. Nous sommes mobilisés. C'est l'heure du Cameroun. C'est l'heure de la grande moisson. Toutes les zones de Yaoundé, que ce soit le Yaoundé nord, sud, est, ouest, vous êtes tous invités. Venons ensemble exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ et le Cameroun sont une seule et même personne. Alléluia! Nous sommes là, ici, avec notre bien-aimé. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Comment ça se passe, cette grande caravane? Oh, cette grande caravane, vraiment, les mots me manquent. C'est le temps est venu, Jésus-Christ doit se glorifier au Cameroun. Tout ce qui était perdu au Cameroun, la main de Dieu est disponible. Et je sais qu'avec l'arrivée de notre grand-père, le Cameroun change pour toujours et jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Vive le Cameroun! Ouais! Grande joie vraiment pour moi d'assister à ce programme. Tout droit venant d'Istanbul, vraiment je suis venu vraiment glorifier le nom du Seigneur et vraiment que notre pays change, nos vies changent. Et tous ceux qui me suivent et qui entendent ma voix, vraiment donnez vos vies à Jésus-Christ parce que sans lui, nous ne sommes rien. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, déposez tous vos fardeaux. Et déjà, je serais très content pour accueillir Papa Prophète Poussi Boateng qui vient dire un mot au Cameroun. Et je sais que ce qu'il va dire vraiment va se manifester par la gloire de Dieu. Come on, let's do it this way. Try as the corner of every land, and we cannot understand all the way that God will lead us to the blessed promised land. He will guide us with his hand. Follow till we die. But one thing I know for sure, God is promised he will do. So don't you lose heart, don't you faint, for your miracles on the way. Hold on fast, don't let the devil lie to you. And he wants the best. Hold on, God loves you. And he wants the best. Hold on, my brother, my sister. Hey, remember, God loves you. And
wants the best for you. Trials dark on every land, and we cannot understand all the world where God to lead us to the blessed promised land. He will guide us with his hand and will follow till we die. But one thing I know for sure, God is promised he will do. So don't you lose heart, don't you faint, for your miracles on the way. Hold on fast, don't let the devil lie to you. Remember God loves you. And hold on my brother, my sister, the devil lie to you. Communauté missionnaire de Réveil. Demain, on accueille Papa Koussi Boitin. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? L'état d'esprit que j'attends, Papa Koussi Boitin, en tant qu'homme de Dieu, ministre Valentin à la communauté missionnaire de Réveil. Un état de gloire, un état de faveur par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est la grande caravane pour la venue de Papa Koussi Boitin. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Nous sommes dans une attente, des grandes attentes, dans une grande attente. Comment m'exprimer? Je le sens déjà, je sens comment mon pays change davantage. Je ne sais même pas, je ne sais pas quoi dire, frère. Je sais que la joie déborde. Recevoir un tel papa comme Papa Koussi, ce papa-ci-là, celui-là qui vient donner l'identité au Cameroun, ah, c'est un privilège. Un privilège. Je sais que mon pays reprend sa position initiale à partir de jeudi. Et je suis tellement ému, tellement content, très joyeusement. Oh, Papa Koussi, you are welcome, daddy. You are welcome, one. Eh, hey, daddy, you are welcome. Deuxième
quelle escale de cette grande campagne d'évangélisation. Alors j'ai ici les bien-aimés qui sont en train d'évangéliser, qui sont en train de sensibiliser un maximum de personnes pour venir à cette grande croisade, pour faire part, pour aussi bénéficier de la grâce qu'accompagne cette grande croisade. Alors, bonjour bien-aimé. Bonjour mon frère. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Vous savez, actuellement nous sommes en train de préparer la venue de notre arrière-grand-père spirituel, Papa Victor Kouassi-Boateng. À cet effet, le prophète Rodé Gendefo et son épouse, Maman Chou, ont eu, le Saint-Esprit leur a mis en cœur d'organiser cette campagne de sensibilisation de la masse pour la dite croisade qui aura lieu au Palais des Sports le 21 au 23 du mois de février. Alors, demain, Papa Kouassi-Boateng arrive. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et vous-même, vous le savez, la parole de Dieu déclare que Dieu a assigné les limites à chaque homme. Et un tel homme de cette envergure, lorsqu'il met pied dans cette nation, nous croyons que c'est le rachat du Cameroun, c'est le rachat du monde entier, parce que nous croyons et nous savons que Dieu l'a oint pour oindre les rois. Et nous croyons que cette nation sera oint et que les œuvres de l'air auront plus de puissance dans cette nation à son arrivée. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Alors, demain, Papa Kouassi-Boateng est au Cameroun. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement? En effet, je vais dire, je suis plein d'onction. Pour ne pas dire plein de joie. Parce que la joie et l'onction ne se partagent pas. Donc, je suis plein d'onction. Parce que je me prépare depuis des mois pour sa venue. Donc, je suis plein et je suis prêt à recevoir tous ceux qui viennent. Oh, he
kesia yesum no die oye no kwafu nyame ah ah ohuni awuntu mi hunu oye keri ampo nyame waye shise bia mawo nebe mawa setena papa enti soni buye ema bon santa dawo se nyame dawo na opedie soni buye If he's seen a little, the open, yeah, yeah, my woe. Ah, ah, ooh, ooh, ah, ah. Come on, let's do it this way. Try as the corner, the real land, and we cannot understand all the way that God will lead us to the blessed promised land. He will guide us with his hand. Follow till we die. But one thing I know for sure, God is promised he will do. So don't you lose out, don't you faint, for your miracles on the way. Hold on fast, don't let the devil lie to you. And he wants the best. Hold on. Hold on, hold on. God loves you. And he wants the best. Hold on, my brother, my sister. Hey, remember, God loves you. And he wants the best for you. Understand all the world where God will lead us to the blessed promised land. He will guide us with his hand and will follow till we die. But one thing I know for sure, God is promised he will do. So don't you lose out, don't you faint, for your miracles on the way. Hold on fast, don't let the devil lie to you. Remember, God loves you. And hold on, my brother, my sister. The devil lie to you. Remember, God loves you. And he wants the best for you. Ah, ah. And it seems like God is very far away. Aha! You have fasted, you have prayed, but it seems the more you pray and the more your problems multiply for you, and you don't know what to do. But I have some news for you. All this God that you serve, he never lies, he never fails. Sees what you cannot see. He knows what you do not know. And he shares his plans for you and for the future and everyone. Hold on fast, don't let the devil lie to you. Remember, God loves you. And he wants the best. Hold on, hold on fast. Don't let the devil lie to you. Remember, God loves you. And he wants the best for you. So she put to wa na eye wo se onyame ni wa fa wa fa contrasting python na so do twa wo from pino na wo how ni so she no ya do so fa na wo hu ni a wo fam fa ah ah ye wa so tie ma se mi o hi kesi aye som no die oye no kwa fu nyame.
Sonia.